Est-ce qu'on peut encore l'appeler à la prochaine occasion? Donc Marato et Kish, tu m'as dit que tu es là. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Alors, est-ce que tu peux prier pour ton cœur, Seigneur? Ouvre mon cœur. Je veux être à la hauteur de cet orateur. Utilise-le pour mon bien. Seigneur, je te supplie, parle-moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu es content? S'il vous plaît, micro envoyé, c'est mes biens. Je suis rassuré qu'il n'y a qu'un à ce matin. Frère, tout à coup. Instrument écoute bien. Fanya mbufu micro et bishop toque bien. Hein? Très bien. Que Dieu obéisse. Ce masque est un toque ça. Entre son et micro, la qualité à baffle, la bifana, ni sinon vila. Tu vile, bien affiché en acte. Bien ma technique. Frère, ou tu rassurer que son et akena koua? Bien. N'a moins pas de mouna filmé que ni qui on a le français ni l'yon a pas internet. Moi, botte. Amuta toka pale. Tuta mi konvoke muta kwa renyo na mi. Présent? Kuko français le niyona pa internet. Ya son, ile français le nisi yone. Amen? Mungi ya kikishe, batu mwana tufuata ku Amerika, batu mwana tufuata ku France, batu mwana tufuata ku Belgique, batu mwana tufuata ku Afrique du Sud, batu mwana cha makazi ya bobeko na fuata yi. Nous sommes suivis régulièrement. Il y a des gens, Léo, jour après jour dar islam banatu fataka kila siku mbujimai banatu fataka kila siku goma banatu fataka kila siku. Nous sommes suivis partout. Alors nous devons faciliter cela que nous suivent à recevoir cette bénédiction. Chaque grâce que nous invitons ici doit être une bénédiction particulière pour leur vie. On ne vous gronde pas, hein? Nous comptons sur vous, hein? C'est votre aussi travail, hein? Que Dieu vous bénisse, hein? Mais on vous suit à la loupe. On va vous convoquer si on remarque encore des Français comme ça. Est-ce que ça va? Oui. Les gens ne peuvent pas se plaindre. Son, tu as besoin d'Aïki. Non, 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 non. Vous devez les aider. Pas de bégon à reculer son. Ton ancien m'amène. Chino Villa, que Dieu vous bénisse. Facilitons cela qui. Tu peux sauver quelqu'un. Tu peux sauver une âme. Tu peux sauver une vie. L'onction qui était descendue hier peut toucher. Dieu n'a pas de limites. N'importe qui partout. Est-ce que ça va? Si vous l'aimez, pendant que je l'invite, tout en piqué à mon goût, quelqu'un qui a commandé à mon goût, je te n'offre pas de jour de moindre, de jour de mon pas ma fouta, ou de jour de mon fan quoi, mon tout michi wak, je te n'offre pas de plonger à mon jour à mon toyak. Je te m'appelle à mon goût, je m'en goût, merci de l'avoir choisi, de l'avoir wak. Aujourd'hui, il est utile pour notre vie. Est-ce que ça va? Alors, Dieu de cette chair, j'ai l'honneur d'inviter le révérend pasteur Zinga, pendant qu'il s'avance, et son interprète pour la gloire de Jésus-Christ, acclame fortement pour le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Alléluia! Yeshua! Si les voisins les faisaient la tu n'as pas le calme. Mon père, c'est la soeur. Papa, merci. Baba, santé. Merci. La santé. Accepte ça. Merci beaucoup. La qui conseille de Yote. Et avec tout votre collège. Mungu amiwezeshe. Que Dieu vous aide à réussir. Mungu amifikishe. Que Dieu vous fasse arriver. Amen. Amen. La mkia mtu moya. Salut une personne. Umwambie hivi. Dis-lui ceci.
Ne m'oublie pas lorsque tu seras dans ta gloire. Regardez-moi maintenant. Je vais prodiguer un conseil à quelqu'un. Celui qui n'a pas salué son prochain. Toutes les prophéties qu'on te donnera, il y aura toujours une personne que Dieu va utiliser pour que la prophétie puisse s'accomplir. Même dans la salutation, il y a notre provision. Juste dans la salutation. C'est pourquoi lorsque tu salues quelqu'un, salue-lui avec la révélation de ce qu'il deviendra demain. C'est très mauvais. Une personne que tu avais négligée dans la vie. Et après il est devenu une grande personne. Il faut fournir effort. Il faudrait que tu fournisses beaucoup d'efforts pour lui rappeler ton nom. C'est très mauvais. Vous voyez les refus de saluer les autres. Un jour tu passeras nuit à la belle étoile. Que Dieu te bénisse abondamment. Toi qui as salué ton prochain. À chaque fois que tu vas entrer dans l'église, lorsque tu te mets, tu rends grâce à Dieu. Tu relèves la tête. Regarde à ta droite. Regarde à ta gauche. Et si tu ne fais pas ça, c'est-à-dire que tu ne sais pas encore définir la vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pas que tu crois. Tel qu'elles sont. Il faut monte moi à barikiwe. Il faudrait qu'une personne soit bénie. Pourvu que les autres soient aussi bénis. C'est un conseil que je te donne. Aussi néglige que monte ma vie. Ne néglige personne dans ta vie. Si vous n'êtes pas nantuma, ne crois pas. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à te le dire. Ce que je te dis, dans la Bible, ça y est. Pour que le miracle fadique, pour que le miracle puisse se faire, cette femme veuve, elle a perdu son mari. Le mari était serviteur de Dieu. On est venu lui chercher la dette auprès de lui. Et pour cette dette, on veut lui ravir des enfants. Elle a suivi les serviteurs de Dieu pour lui expliquer ses problèmes. L'homme de Dieu lui a dit ceci. Vas-y. Lomba ma récipient. Demande des récipients. Mambeketi, des bidons. Des bidons. Les récipients que nous avons. Après avoir demandé tout cela, ingia munyumba yako. Entre dans ta maison. Batoto. Avec tes enfants. Enfermez-vous. Qu'est-ce que tu as dans ta maison? Moya tu. J'ai juste une fiole d'huile. Juste une petite bouteille. Il lui a dit tout ce que tu vas demander chez les voisins. Entre avec. Prends cette bouteille d'huile. Commence à remplir. Jusqu'au dernier récipient. Et c'est de là que la Bible dit. M'en fout de c'est pour dire. Miracle yote ta faliaka mouvia. Tout miracle qui va s'opérer dans ta vie. Il y a toujours une personne. C'est pourquoi mon maïsha ya. C'est pourquoi dans ta vie. Intéresse-toi aux autres. Même si quand tu viens de l'église. Ma culte de moi. Ou je fanye ma ibada we mounyewe. Cheye tu nafata ni Yesu tu. Nous sommes là pour Jésus. Une fois qu'on termine, on passe. Car si on commence à se familiariser, il est du pagan. Ça c'est du paganisme. Tu ne connais pas encore Dieu. Et cette femme, pour qu'elle puisse vivre, il fallait ma voisin. Il fallait que le voisin. Alors si elle était en conflit avec tout le monde, toi qui es en conflit avec le gens, tu risques d'échouer, de vivre le miracle de Dieu. Parce que tu détruis tes relations. Tu t'es intéressé à ma voisin. Intéressons-nous aux voisins. Tu ne sais pas par qui ton miracle va passer. Ça c'est un conseil pour toi. Est-ce que laisse la chapitre à Jésus Christ? Ce soir, je ne serai pas long. Je ne vais pas réviser la matière. J'avance. Amen. Amen. Papa, vous pouvez permettre. Je suis venu avec une fille ici. Elle peut chanter même pendant une minute, cinq minutes. J'aime lorsque je sors comme ça. Je prends même une. Elle ne voit pas à l'extérieur. Qu'elle puisse marcher avec moi, leur père. Pardon? Oui.
Est-ce qu'on laisse la chapitre à ta Yesu? Peux-tu acclamer pour Jésus? Anazalika. Le fruit à l'école de dimanche. C'est le fruit de l'école de dimanche. Anapanda, anapanda. Elle a monté, elle a monté. Anazalaye kutubiki ya Mungu. Elle a commencé aussi à servir Dieu. Thank you.
m'accordes le temps d'écouter ta parole. Baba Semanas. Père, parle avec nous. Et tout ce qui n'est pas à toi, que ça ne trouve pas de la place au milieu de nous, Tawala. Règne. Mujina la Yesu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le sous-thème que nous avons ce soir, c'est le principe divin pour la prospérité à tous égards. Et le premier principe que nous allons développer ce soir, c'est la crainte de Dieu. C'est très très important dans la vie d'un enfant de Dieu. Je sais que ce n'est pas la première fois que vous écoutez ce thème, mais il y a quelque chose que nous allons ajouter, que le Saint-Esprit va nous faire grâce. Nous sommes dans Exode chapitre 1er, versets 15 à 25. Ajoute encore ce livre. Psaume chapitre 34, verset 12. Esaïe chapitre 33, verset 6. Nous allons commencer avec ces trois livres. Et le Saint-Esprit va nous aider. Selon Exode, mon lecteur est prêt. Honorons la parole de Dieu. Exode chapitre 1, le verset 15, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages femmes, oui, des Hébreux, nommées l'une Chifra et l'autre Poua. Il leur dit: quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, et que vous le verrez sur le siège, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages femmes et leur dit: pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages-femmes répondirent à Pharaon: c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiens. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu. Dieu fit prospérer leur maison. Amen. On peut s'asseoir, que Dieu vous bénisse. Mon lecteur peut rester debout. J'aime la dernière phrase. Parce que les sages femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Psaume 34, 12. La Bible dit quoi? Psaume 34, 12, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Amen. Ça suffit. Amen. Prends Esaïe 33, 6. Chapitre 33, verset 6. Esaïe 33, 6, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Tous les jours seront en sûreté. Tes jours seront en sûreté. Oui. La sagesse et l'intelligence sont une source du salut. De salut, oui. La crainte de l'Éternel, c'est là le trésor de Sion. Le trésor de Sion. Amen. Azina Sioni, amina. Suis-moi bien. Je vais vraiment lentement pour que tu puisses me comprendre. Le Dieu que nous servons est un Dieu de principes. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il n'est pas le Dieu du désordre. Sans le principe,
L'homme est un indiscipliné et un désordonné. Mtu anakuya bila nidamu na bila kupanga maneno musawa. Chaque domaine de la vie de l'homme, kila atua ya maisha ya mtu, est régi et contrôlé par des principes. Inaongozewa na inatazamiwa na makanuni. Que ça soit dans le domaine spirituel, ikuye mwatua ya kiroho, sanitaire, iya afya njema, financier, ata ya fedha, relationnel, ya mahusiano, professionnel, ya kazi, ministeriel, ya huduma. Tout est fondé, yote inakuwa na misingi sur des principes, pa makanuni. Si tu refuses des principes, kama unakatala makanuni, tu vas échouer, utashindwa. Si tu connais les principes, kama unajua makanuni, et que tu n'appliques pas ces principes, lakini hauiweke katika tendo, tu vas échouer, utashindwa. Hii kazi tuko nafanya, le travail que nous faisons ici, paka hivi tunasimama mbele, tel qu'on se tient debout, iko na makanuni yayo, a ses propres principes. Kama unapenda uweze, si tu veux réussir, heshimu makanuni, respecte. Ataka munenda ku université, même si vous vous rendez à l'université, masomo, tu veux finir tes études, et si mukanuni, tu dois respecter les principes de la faculté. Pourquoi? Tu as nini? Parce que aina bote bananza kabanishak. Parce que c'est pas tous les étudiants qui commencent et terminent. Bale bote banishak. Tous ceux là qui terminent, ni pas kabale beko ne shimu kanuni. C'est seulement ceux là qui respectent le principe. Ata unengia, même si tu entres mon commerce, dans des commerces, utakuta ma principe, tu vas trouver des principes. Ok katale. Et si tu refuses cela, utabishindo. Va tout échouer. La vie de l'homme, maisha ya mtu, est régie sur les principes. Inaongozewa na makanuni. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ndio kwa ma l'ignorance tue. Hii kutokujua inakuwa na uwa. Tout est fondé sur les principes. Yote inaweka misingi yayo pa makanuni. Nous venons à l'église pour que nous puissions être enseignés sur la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Voilà la noble mission que l'église n'a pas compris et n'a pas encore appliquée ou accomplie. Wala kutimiza. Aujourd'hui est dans ce temps de la fin que nous sommes. Leo na mwiwa kati ya mwisho mtuiko. S'il y a un message de l'évangile, kama kuna kwa mchumbe ya injili, que les hommes ont peur, ile watu wanakuwa annoncer, ya kutangaza, et d'enseigner, na ya kufundisha, et que le peuple de Dieu, na taifa ya Mungu, ne veulent pas entendre, haipende kusikia, ni accepter, wala kuchikia. C'est la crainte de Dieu. Inakuya boka kwa Mungu. La crainte boka de Dieu. Wa Mungu. Et c'est très important. Na iko ya muhimu kabisa. Nous sommes obligés de vous donner ça. Tunakazishwa kumipatia nayo. Juu damu ya bengine. Ishanguke mukichwa yetu. Pourvu que le sang des autres ne tombe pas sur notre tête. Il y a quelque chose qui me fait peur. Kuko kitu kimwa kinanipatia oga. Homme de Dieu. Mtumishi wa Mungu. Nous serons jugés sévèrement. Tutahukumiwa kabisa kabisa bila huruma. Nous qui prêchons. Sisi tuko na hubiri. Mungu asitakuyaka na buluma na shei. Dieu n'aura pas pitié de nous. Hasta tu comprendre, hasta que tu comprendre. Il ne va même pas nous comprendre. Parce que shei. Parce que nous. Tunaweza. Nous pouvons. Dévier même vos âmes. Vous pouvez rater le royaume des cieux. Si nous, on ne fait pas l'œuvre de Dieu comme il le faut. Amen. Amen. Surtout pendant ce temps. Pendant ce temps, une grande maladie qui se trouve dans l'église. C'est la crainte de Dieu. Combien de scandales que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui nous commençons à faire ce que nos aïeux ne nous ont pas appris. Vous savez, un enfant véritable, c'est celui-là qui marche sous les traces des enseignements du Père. Aujourd'hui nous sommes les serviteurs de Dieu. Hier nous étions assis comme vous. Nous aussi nous avons écouté la prédication. Et c'est ce qui nous a aidé aussi aujourd'hui qu'on prêche. Aujourd'hui l'église refuse même aux païens de croire en Jésus Christ. On ne donne pas ce qu'il a aux gens de croire en Jésus-Christ. C'est pourquoi d'autres chrétiens, on peut leur dire, c'est moi ici,
Si une personne apporte une âme d'Amis, les autres ne seront pas. Pourquoi? Nous les trouvons chrétiens dans l'église, mais à l'extérieur, c'est une autre vie. Je dis amen à ta place. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notez bien. La crainte de Dieu, Boka Bwamungu, c'est le commencement de tout dans le royaume de Dieu. Inakuya mwanzo ya yote mufalme wa Mungu. Le commencement de tout, mwanzo ya yote, dans le royaume de Dieu. Ndani ya ufalme wa Mungu. Sans la crainte de Dieu, bila Boka Bwamungu, personne ne peut être béni. Hakuna mtu anaweza kubalikiwa. Ne restons pas dans la chaleur. J'ai toujours dit aux enfants à l'église, la prophétie a une garantie. La prophétie, c'est pas encore une garantie. On peut te prophétiser sur quelque chose qui est vrai, mais c'est pas encore une garantie. Écoutez, ce qui est le Dieu du ciel, il a marché avec Israël. Il n'a même pas placé un ange. Lui-même, il les a fait enlever en Égypte. Il a frappé Pharaon. Il a frappé l'économie. L'armée, il a frappé. Le premier-né, il a frappé. Il a frayé la mer rouge. Lui-même, il marchait avec eux. Tous ceux-là qui sont sortis de l'Égypte, ils ont dit quoi? Nous sommes dans le voyage pour entrer en Canaan. C'est que Dieu a parlé pour nos parents. Nous y allons. Mungu, Dieu, il le voyait en live. Il marchait avec lui. Mais Israël, parce qu'ils n'ont pas écouté, parce qu'ils ont manqué l'obéissance, parce qu'ils ont touché aux interdits, un jour, Dieu a dit à Moïse, tu vois ces peuples, je ne veux plus marcher avec eux. Non, si tu ne marches pas avec eux, les nations diront que tu as échoué. C'est ainsi que tu les as tués. Dieu a dit ok. Merci. À santé. Il a changé la formule. Il a changé la formule. Il a commencé à tuer la personne avec la promesse de Dieu. Elle est morte dans le désert. Elle n'était pas destinée de mourir dans le désert. Il fallait qu'elle puisse entrer en Canaan. Tous ceux qui ont quitté l'Égypte avec la promesse de Dieu entre la main et avec Dieu en live, ils n'ont pas su entrer. C'est pourquoi na kuambia, Dieu, comment j'ai dit, on peut te prophétiser. Y a quoi garantie? C'est pas encore une garantie. Itakuya garantie. Elle sera une garantie. Kama boka ba Mungu boku hako. S'il y a la crainte de Dieu, c'est pourquoi Dieu commande. Nous avons des chrétiens qui meurent. Tuku na wa Christ yoko na fariki avec des promesses. Na malako. Takupatia exemple. Je vais te donner un exemple. Nilipata ka moya. J'ai reçu un cas. Dada moya. Une sœur. Elle venait de Kananga. À Kananga, elle a mal vécu. Elle prenait les maris d'autrui. On lui achetait des véhicules. Elle était une star à Kananga. Et après tout cela, elle est venue ici à Lubumbashi. Ici au centre-ville, je prends Dieu en témoin. Il y avait un frère qui était juste dans une mission de service. Il venait de Kinshasa. En passant seulement, il a vu la sœur. Il a eu des battements du cœur. Il a appelé la sœur. Ma sœur, tu es mariée? Ah, ça, non, je ne suis pas mariée. Il dit, quand je t'ai vu, j'ai senti mon cœur dans les tombeaux. Je mérite t'épouser. Ce frère ici, il a étudié dans la souffrance et tout. La sœur s'est rencontrée juste avec le foufou. C'est ainsi que le frère, il a dit à la sœur comme ça, allons-y que je puisse raconter dans la famille. Il est allé rencontrer la famille. Il a appelé chez eux à Kinshasa. La sœur est là. Tout le monde était content. Tu veux l'épouser? Oui. Il a donné la dot. Il était déjà bien installé dans la vie.
Et après avoir doté, il a dit à la sœur, je vais rentrer à Kinshasa, mais avant que je ne rentre, allons faire des tests sanguins et autre chose. Ils sont allés faire des tests. La sœur était atteinte par la maladie du sida. Dites-moi, tu as la promesse de Dieu d'un bon mariage qui va aider même ta famille. Alors que tu es en train de sautiller, vous voyez des bas, des collants que vous portez. Une fois que tu t'es mis et tu retournes, tu regardes Maman Rizal, Maman Miso, le fait de sautiller là, ça ce ne sera plus des collants. Un jour ça sera un gros pantalon. Bandouk, mes frères, la promesse de Dieu, des prophéties que nous recevons ici, des Dieu qui a parlé, c'est pas tout le monde qui arrive à vivre cela. Ne pense pas que je suis venu bloquer ta vitesse, non. Je suis en train de t'éveiller. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est juste le respect des principes. Il n'y a aucune autre voie à emprunter. Dieu n'a pas d'amis. Lorsque tu vas abîmer, il te laisse. Dieu a dit à Israël, vous saurez nini. Qu'est-ce que c'est vivre sans Dieu? Dieu est sorti. La colonne est sortie. La nuée est sortie. Alors que la nuée et la colonne, et jusqu'aujourd'hui, ça existe. Ce n'est plus en haut. Ça se trouve en nous. C'est à nous. Il n'a c'est se séparer de il a les serpents qui ne voyaient pas. Ils ont commencé à voir les serpents. Ils ont commencé à mourir avec les serpents. Ce qui m'a fait mal. Ils sont morts avec la promesse de Dieu. C'est pourquoi je t'ai dit. Dieu commande le Bambi. C'est vrai, Dieu a parlé. Ça peut ou ne pas s'accomplir. Inaweza wala aiwezi kutimizika. Ouya, vous savez la vie chrétienne, si tu n'es pas discipliné, tu ne vas jamais mener cette vie. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de tout. Inakuya mwanzo ya yote dans le royaume de Dieu. Mufalme wa Mungu. Sans la crainte de Dieu, bila boka bwa Mungu, personne, hakuna mtu, personne, hakuna mtu ne peut être béni. Anaweza kubalikiwa. Nous ne pouvons pas définir et comprendre la crainte de Dieu selon le monde. Atuwezi kutafsiria na kuelewa inakuwa boka bwa Mungu kufuatana na dunia. Mais selon que lui-même Dieu dit. Lakini kufuatana na vile Mungu yeye mwenyewe anasema. Qu'est-ce que la crainte de Dieu? Ni nini boka bwa Mungu? La crainte de Dieu, premièrement, boka bwa Mungu ya kwanza, c'est la sagesse. Inakuwa hekima. Mon frère, lis-moi ça. Depuis un bout du sommeil, Job 28. Yobo ishirini na nane. Job 28, verset 28. Verset 28. Lisons la parole de Dieu. Amen. Puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. Ouais. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Amen. Amen. Prends encore Psaume 111. Verset 10. Psaume 111, 10. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Amen. Amen. Nous sommes dans Proverbe 8, 13a. La Bible dit que la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. La haine du mal. Donc, la crainte de Dieu.
Dieu qui est le commencement de la sagesse veut dire haïr le mal. Selon Dieu, l'intelligence, c'est s'éloigner du mal. Et la sagesse, c'est haïr le mal. Bien aimé, suis-moi bien. Ce que Dieu fait de nous, surtout dans ce temps de la fin, c'est que nous puissions non de s'éloigner du mal, mais de haïr le mal. On peut fuir cela. Ça peut nous rattraper un jour. On peut fuir cela. À un moment, on peut tomber dedans. Haïr cela. Vous voyez la manière dont la personne dit que l'autre, même sa voix, il ne va jamais même le voir des autres, il ne va jamais vouloir le voir. C'est comme quelqu'un qui a mangé et après il a vomi. Et après lui demander de prendre ses vomissures et manger ça. Haïr le mal. Ça c'est la première des choses. Deuxièmement, la crainte de Dieu, c'est le fruit de l'humilité. Nous sommes dans Proverbe 22. Mon frère, lis ça. C'est là où j'ai trouvé la prospérité. Proverbe chapitre 22, verset 4. Mesali sura ya 22 mstari 4. La Bible dit quoi? Il dit le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, oui, c'est la richesse. C'est la richesse. La gloire, la vie. Oui. Amen. Amen. On s'arrête là. Non, je m'en pas. Tout homme sur cette terre, fils du royaume de Dieu, ou nos frères païens, son travail, ses projets, ses luttes, et ses combats, est centré sur ces trois choses. C'est-à-dire la richesse, la gloire, la vie. Ce sont ces trois choses qui constituent ce qu'on appelle la prospérité à tous égards. Même tous les combats que nous rencontrons dans la vie, c'est basé à ces trois choses: la richesse, utajiri, la gloire, utukufu, et la vie. Nauzima. Troisièmement, qu'est-ce que la crainte de Dieu? Ni boka bwa Mungu. C'est la respiration de l'Éternel dans l'homme. C'est-à-dire quoi? C'est ce qui fait vivre l'homme en Dieu et Dieu en l'homme. Ok. Nous sommes dans Esaïe 11. 3a. Mustari ya tatu kipande ya kwanza. Isaïe chapitre 11. Isaïe sura yake 11 verset 3a. Mustari ya tatu kipande ya kwanza. La Bible dit quoi? Biblia inasema nini? Nous lisons la parole de Dieu. Oui. Il respirera la crainte de l'Éternel. Voilà. Dieu. Il respirera atapumua la crainte de l'Éternel. Boka bo wa milele. Donc sans la respiration, ni kusema bila kupumua, il n'y a pas la vie. Hakuna uzima. Pour savoir que la personne est en vie, c'est si seulement si elle respire. Mais si elle ne respire plus, il n'y a plus la vie. Acclame Jésus, tu es trop calme. Acclame Jésus. Donc, c'est la crainte de Dieu qui nous fait vivre dans la présence de Dieu et dans ce monde. La crainte de Dieu. S'il vous plaît, Église. Faisons tout ce qu'on peut faire. Mettons l'accent beaucoup plus sur la crainte de Dieu. Car s'il n'y a pas la crainte de Dieu, tu ne peux pas jouir des biens de Dieu. On nous presse la prospérité. Mais une prospérité conditionnée. Mais cette prospérité est conditionnée. Je dis amen à ta place. Na sema amina.
Écoutez, c'est la crainte de Dieu qui est le secret pour une longue vie sur cette terre. La crainte de Dieu. Regardez-moi très bien. Ne joue pas avec ces mondes. Si tu vis mal, tu ne vas jamais sourire dans ce monde. Je l'ai dit même à l'église. Miliona, j'ai vu barafiki mingi barikuwa na maisha nguvu nguvu mabukovi na maneno kazalika nilipotesha karafiki moya vile namuliza siku moya ulibamba dawa ulini unapoka mubintu vya bantu unafanya kabili huu unapenda alikufa kiyana sana boka wa Mungu kama ina ako maisha iwezi kuwa mulefu Je posais la question à mes grands-parents. Je suis allé les rendre visite un jour. J'avais beaucoup aimé ses grands-parents. C'est celui-là qui a mis au monde ma mère. J'ai effectué 7 km pour monter les véhicules. En route, on marchait avec lui. Je lui ai posé la question. Grand-mère, qu'as-tu fait pour vieillir comme ça? Il a dit Kambo, secret yang. Mon secret, c'est juste les 10 commandements. Bah, ma 10 commandements. C'est de 10 commandements. Bah, ils ont créé chez Dieu, mais c'est nous d'aujourd'hui. Combien de sujets qu'on en a pas. Quelles sont les prédications qu'on nous a pas données? Mais vous allez constater que c'est Dieu. Commandements avec tout. Juste les 10 commandements. Ils n'ont pas eu la grâce de Dieu comme aujourd'hui. Ils ont eu la crainte mais de Dieu. Mais nous d'aujourd'hui, avec la chair, il y a révélation, il y a parole. Écoutez la révélation. La crainte de Dieu n'y est plus dans l'église. Vous savez, si vous n'avez pas la crainte de Dieu, tu seras un hypocrite. J'ai toujours dit aux enfants, mes téléphones n'ont pas de code. Tous sont ici. C'est comme ça. J'ai dit allez-y. Dans les photos, dans mes messages, vous pouvez naviguer. Un jour, j'avais mal à la tête. Je marchais lentement. J'avais des frères. Je vis dans mon téléphone. Un message que je n'ai jamais vu. Depuis que j'ai cru. Une sœur qui m'écrivait moi. Un message d'amour. Ça m'a dépassé. J'ai pris le téléphone. J'ai donné au frère. Son nom c'était Paul. J'ai dit frère Paul, lis d'abord ça. Qu'est-ce qu'on a écrit? Il a lu. Il était mis en colère. Et après il a appelé la sœur. Et c'est ainsi que la sœur lui répondait. Pour dire que j'ai commis une erreur. Au numéro où je devais envoyer ce message. Toi dans ton téléphone, qu'est-ce qu'il y en a? C'est ce qui est en train de nous suivre. Qui diminue à nous. Même si nous invoquons, il n'est pas là. Il n'est pas là. Vous pensez que PDG entreprise. Jésus c'est un PDG d'entreprise. Car il y a certaines choses que nous allons voler. Même des filles, il ne sera pas au courant. Mes frères, écoutez-moi. Église, écoutez-moi. Sans la crainte de Dieu, tu ne peux pas voir la prospérité dans ta vie. Accepte que je te donne ça. Acceptez cela, mes frères. J'ai dit que c'est la crainte de Dieu qui est le secret pour une longue vie sur cette terre. Mon frère Lisa, nous sommes dans Proverbe 10, 27. La Bible dit quoi? La crainte de l'Éternel, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je n'aime pas dans de tels enseignements les gens sortir de l'église. Aidez-moi, s'il vous plaît. Je n'aime pas. Lisez, mon frère. Proverbe chapitre 10, verset 27, nous disons la parole de Dieu. Oui. La crainte de l'Éternel augmente les jours. Voilà. Mais les années de sont abrégées. Reprends ça. La crainte de l'Éternel augmente les jours.
Mais les années de méchants sont abrégées. Les années de méchants sont abrégées. Sont abrégés. Il n'a fou pas choix. Mais la crainte de l'Éternel augmente les jours. Il n'engage ma cycle. Vous savez, Banaweza kupatia prophétie. On peut te donner une prophétie. Nous te voyons, tu vas vivre. Nous te voyons rassasier des années. Mais si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu peux mourir. Unaweza kufa. Tu peux mourir. Mon frère, prends un autre livre. Proverbe 14. Mesali kuminane. Verset 27. Mustare shirina saba. La Bible dit quoi? Bibilia semanini. Lisez ça. Somayo. La crainte de l'Éternel est une source de vie. Oui. Dieu. Pour détourner des pieds de la mort. Est une source de vie. Ina kwa chemchemu ya uzima. Allez dans 19. Chapitre 19. Kuminatisa. Verset 23. Mustare shirina de Proverbe. Ya mezali. La Bible dit quoi? Bibilia semanini. 19, 23, la parole de Dieu. Oui. La crainte de l'Éternel mène à la vie. Mène à la vie. Il n'appelait qu'à Kuzima. Et l'on passe la nuit rassasié. Et l'on passe. S'il vous plaît, frère. Katambele. Arrête d'abord avec la mélodie. La crainte de l'Éternel mène à la vie. Il n'appelait qu'à Kuzima. Et non. Et l'on passe la nuit rassasié. Rassasié. Aussi, ça ne suffit pas. Avance. Endelèche. Sans être visité par le malheur. Bila kupekuliwa na ole. Sans être visité par les malheurs. Bila kupekuliwa na ole. Ata wakati wuna lala. Même pendant que toi tu dors. Mungu. Dans la crainte de Dieu. Kukuma mpepo ingine. Il y a certains esprits. Kukuma mvite ingine. Il y a certains combats. Kukuma ndoto ingine. Il y a d'autres songes. Iko na kufikia we. Qui t'arrive toi. Bila kuna lala busiku. Ce que tu vois la nuit. Aulale bien. Tu ne dors pas bien. Samo yonona muntu. À un moment tu vois une personne. Eko na kufukusha. En train de te poursuivre. Ala mushe mupanga. Pour élever la machette. Wona lalamika. Toi tu cries. Nyumba yote nasikia. Toute la maison entend. Tu te réveilles. Tu sens le battement rapide du cœur. C'est parce que tu manques la crainte de Dieu. C'est manquer la crainte de Dieu. S'il y a la crainte de Dieu, les Écritures nous disent, tu vas dormir tout en étant rassasié. Quand des mauvaises visitations, tu ne vas pas voir cela. Ça ne vient pas de moi. Aïto ke kwangu. Quatrièmement, la crainte de l'Éternel, c'est le trésor de l'Église. C'est le trésor de l'Église. Prends Esaïe 33, verset 6. Je vais terminer. La Bible dit quoi? Esaïe 33, 6, nous lisons la parole de Dieu. Ouais. Toujours seront insultés. La sagesse et l'intelligence sont. Reprends. En Zulula. Tes jours seront insultés. Mm. La sagesse et l'intelligence sont une source de salut. Sont une source de salut. Il n'a pas de chemin en Kovo. Sion. Sion symbolise l'Église. Inamanisha kanisa. Et la crainte de l'Éternel. Na boka wa milele. C'est le trésor du royaume de Dieu et de l'Église. Inakwa azina ufalme wa Mungu na kanisa. Or le trésor. Japo azina. C'est là où on garde de l'or. Ni pale tunachunga zahabu. De l'argent. Feza. Et d'autres choses précieuses. Na vitu vingine vya bei. C'est l'endroit où sont gardées des richesses. Ni mahali pale wanachunga utajiri. Et les ressources. Stratégique na ibibi tu bien ma faire un royaume ya ufalme d'une nation ya taifa d'un pays ya inchi. Amen. Amina. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Papa taisha saka papa passa Amina kele naweza kushia naweza kushia mia papa mina shikia roho kuna nikataza kuendelea. Je peux m'arrêter ici, je sens que l'esprit m'a. Je m'arrête ici. Continuer na shima mia hapa. Minaisha. J'ai terminé. Amen. Amen. La prospérité est possible. Kustawi inawezekana si nous marchons dans la crainte de Dieu. Kama tukunatembea mboka kwa Mungu. Sans la crainte de l'Éternel. Bila boka bwa milele. Nul ne verra le Seigneur. Hakuna ule atamuona Bwana. Nul. Akuna. Tufanye biot. Faisons tout. Tumutumiki Mungu. Servant Dieu. Mais pokaba Mungu. Mais la crainte de Dieu. Ikale ndani yetu. Puisse résider en nous.
Que Dieu te bénisse. Amen. Vous comprenez que le pasteur est tellement spirituel. Même son Saint-Esprit connaît la montre. Hein? Son Saint-Esprit connaît. Il dit, l'Esprit m'interdit, c'était à 32. Puisque le programme de l'Église, on ne dépasse pas 18h30. Lui, à 32, l'Esprit lui dit, non, non. Déjà, le tambouka. Pour aïna, il y a tambouka, ni chien d'autre, il tambouka. Merci frère, que Dieu vous bénisse. Demain nous sommes là des après-midi. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu bénisse notre presse pour le travail, longue vie. Merci. Et je reçois aussi